Breaking news. Breaking news. Breaking news. Lutte contre la COVID-19 au Cameroun, la France entre en action. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. C'est ce geste de convivialité qui accompagne l'action de solidarité de la compagnie de transport maritime, CMA-CGM. Ce mercredi, le directeur de cette société, en présence de l'ambassadeur de France au Cameroun, a remis un don de 80 000 masques au docteur Manaouda Malachi, ministre camerounais de la Santé publique, ici à Hygiène Mobile, situé à Yaoundé. Faire un don à l'État camerounais de 80 000 masques afin d'aider à la lutte contre le COVID-19. Avec ce don, le groupe poursuit sa mobilisation pour faire face à la crise sans précédent. Il réitère plus que jamais son engagement et sa solidarité auprès de tous les Camerounais en cette période délicate, ainsi qu'au personnel médical mobilisé. Entre la France et le Cameroun, il n'existe pas seulement des relations diplomatiques. Ce geste est la matérialisation de la forte amitié qui règne entre les deux entités. CMA-CGM, qui est une très grande compagnie française, familiale, emploie plus de 110 000 personnes à travers le monde pour ce geste citoyen, ce don de 80 000 masques qui sont indispensables pour lutter contre la pandémie de la COVID-19 au Cameroun et ailleurs. Et je me réjouis qu'une entreprise française participe également à la lutte contre la COVID-19 et qui s'intègre dans les efforts qui ont été faits par d'autres entreprises ici au Cameroun, comme le sait monsieur le ministre, avec du gel, des dons de gel hydroalcoolique, de masques, de tests, etc. Donc voilà, c'est bien la concrétisation de l'amitié entre les deux pays et les deux peuples. Et quand on est en difficulté, c'est important de venir et de répondre aux besoins qui sont exprimés pour le bien de la population du Cameroun. Voilà, je voulais remercier CMA-CGM et puis monsieur le ministre également d'avoir participé à cette cérémonie de remise. Le Cameroun étant l'un des pays en Afrique centrale le plus touché par la COVID-19, ces masques de protection permettront de freiner l'évolution de cette pandémie. Je voudrais ici, au nom du gouvernement, vous témoigner notre gratitude pour le don qui est donné par CMA. Et nous savons très bien depuis que cette entreprise a agi opère dans notre pays, que c'est une entreprise citoyenne. Mais nous tenons à dire l'importance de cette démarche-là. Parce que, comme vous le savez très bien, nous sommes rentrés avec cette pandémie dans une quatrième phase opérationnelle où notre objectif est non seulement de stopper la transmission communautaire, mais également de mitiger le taux de morbi-mortalité, notamment au sein des personnels de santé. Au demeurant, les agents de la santé ont pu maîtriser ou encore stabiliser cet ennemi commun. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.